La population au calme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par cette communication du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, Sylvain Ekenge, et cela au sujet de l'occupation par le mouvement terroriste M23 de la cité de Bunagana ce lundi 13 juin 2022. La République démocratique du Congo informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de deux jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Primidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Russie, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays membres du Conseil de sécurité restent du côté de la RDC. Leur mission diplomatique a fermement condamné la prise de Bunagana par l'armée rwandaise derrière le M23. Ils l'ont dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. L'agression du M23 à l'est du pays ne s'arrête pas malgré les condamnations de la communauté internationale. Depuis cette nuit, la cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, est sous contrôle des éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette situation met en alerte encore une fois de plus le gouvernement de la République qui espère continuer à privilégier la voie diplomatique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a échangé cet avant-midi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Christophe Lutundula Palapenapala, chef de la diplomatie congolaise, leur a présenté la situation consécutive aux attaques du M23 la nuit dernière à Bunagana. La Russie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, la Grande-Bretagne condamne de façon unanime cette agression. La situation très sérieuse à l'est de la RDC. La Grande-Bretagne est vraiment concernée de la situation et nous donnons tous nos efforts pour assister nos amis dans la région de résoudre les problèmes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous a informé de la prise d'une ville. Elle a demandé d'exprimer et condamner des attitudes du Rwanda. Nous allons transmettre ce message à notre hiérarchie pour la prise d'une décision, mais j'ai déjà rassuré M. le vice-premier ministre que la Russie soutenait et soutient toujours la République démocratique du Congo. Donc nous suivons la situation dans l'Est du pays, nous restons alarmés par les attaques transfrontalières et c'est une situation que nous
prenons au très sérieux. La RDC peut tout à fait compter sur la France. C'est une constante historique. Nous sommes aux côtés de la RDC, aux côtés de ses populations qui souffrent particulièrement de cette situation. C'est ça qui est déplorable. Et donc nous voulons tout à fait, avec nos partenaires, orchestrer une réponse diplomatique, politique, humanitaire à cette crise qui doit absolument trouver une solution rapidement. La République démocratique du Congo se réserve le droit d'agir par tous les moyens pour la sécurisation de son territoire. Tout à fait autre chose. À présent, le couple royal belge a mis fin à sa mission officielle en République démocratique du Congo hier lundi 13 juin à l'aéroport international de la Luano. Une chorale locale leur a souhaité un au revoir à travers des chants. Reportage. Dans la soirée de ce dimanche 12 juin, après quelques heures passées à Bukavu, troisième et dernière étape de sa visite officielle en RDC, c'est ce lundi que le couple royal belge a mis fin à son périple dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'aéroport de la Luano, cet avant-midi, un sentiment du devoir accompli, mêlé des gestes d'au revoir, a gagné l'assistance. Même le couple royal, arrivé sur les lieux, a partagé le même sentiment avec cette chorale notamment. Salué ensuite par le comité d'accueil constitué de quelques autorités provinciales et nationales, le roi et la reine, visiblement émus, ont sans nul doute été marqués par ces longs séjours en terre congolaise. Une première et un symbole. Cette visite de mémoire de journaliste ou d'homme politique, on n'a jamais reçu un souverain qui reste 6 jours. Ça dit tout de la symbolique et de l'importance que cette visite a représentée à la fois pour nous, les Congolais, et pour le royaume de Belgique. Alors, dans ces visites, il y a eu un travail de mémoire très fort parce que vous savez que nous devons arriver à solder le passé colonial pour nous permettre de bien scruter l'avenir. Et de ce point de vue, il y a des pas qui ont été franchis, les regrets du roi, mais aussi le travail mémoriel qui a commencé par la restitution de nos biens et de nos œuvres culturelles. Et d'ici la fin du mois, la restitution des reliques de Lumumba. Une visite royale qui a également marqué les esprits de la population louchoise. À Lumumbashi, nous avons été honorés par la visite du roi et son épouse. Nous avons vraiment été honorés. Ça faisait très longtemps que les rois belges n'ont pas voulu se plaindre au Congo. À l'époque de Mobutu, il y avait un problème de contentieux. Maintenant, je crois que c'est enterré. Comme Franco avait chanté, c'est enterré déjà. Maintenant, je crois une nouvelle relance pour notre pays. Si les rois a effectué les déplacements de la Belgique pour le Congo, c'est pour dire que non, on a retourné la page. La page qu'on a connue, la Belgique ceci, la Belgique cela, non. Aujourd'hui, la Belgique a plutôt à la main et pour relancer maintenant tout ce qu'il faut pour la République de moitié du Congo. Tout est bien, qui finit bien. L'avion royal dans les airs, l'heure est venue à tout remballer. Le représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kenge, qui accompagnait le couple royal belge à Lubumbashi et à Bukavu, s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de cette importante visite marquée par un nouveau départ dans le secteur de la coopération entre les deux pays. Patrick Tondouang, reportage. La visite officielle du couple royal belge en République démocratique du Congo touche à sa fin. Une visite marquée par différentes activités déployées par le roi Philippe et la reine Mathilde, notamment dans les provinces du Haut-Katanga et du Sud-Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kenge, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accompagné les couples royaux belges dans sa tournée avec sa chère épouse, a, au terme de ses séjours en République démocratique du Congo, résumé cette mission. Je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté le Roi du Royaume de Belgique, de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge
Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23 soutenu par le Rwanda. Et donc c'était pour nous une bonne occasion non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, c'est conclu cette mission où nous avons été à chaque étape depuis le 8 juin et ça se termine aujourd'hui, le 13 juin, le roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier, de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. Je remercie surtout la population du Haut-Katanga, particulièrement celle de Lubumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge, Accentissant. C'est donc ce lundi 13 juin 2022 que le roi Philippe et la reine Mathilde, invités du président de la République, ont regagné leur pays, la Belgique. Et puis cette interview devant le couple royal belge à l'hôpital général de référence de Pandi, le prix Nobel de la paix, docteur Mukwege, s'est indigné sur la situation commise dans son pays. À côté de notre personnel et de nos patients, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rendre visite. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. Ils ont été répertoriés depuis plus de 11 ans dans les rapports mapping des Nations Unies comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Malgré leur extrême gravité à ces jours, ils restent cyniquement impunis. C'est bien cette impunité garantie aux auteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers, une véritable tragédie qui nourrit les cycles de violence dans cette région et les multiples agressions dont est victime notre pays. La plus récente qui se déroule encore sous nos yeux, qui fauche nos enfants, qui fauche nos femmes, nos sœurs et celles du groupe M23, dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies. À la Chambre haute du Parlement, le Sénat a voté en seconde lecture ce lundi 13 juin la loi électorale sur les 109 membres qui composent la Chambre haute. 87 ont pris part au vote, 83 ont voté pour aucun abstention, 4 ont voté par abstention. Sandra Nyangui nous fournit les détails de cette plénière. Reportage. Fin de session ordinaire au Sénat, marquée par le contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur revient mardi à la Chambre haute pour répondre aux questions orales avec débat
lui adressée par les sénateurs Isabelle Kabamba-Wakabamba sur la politique du gouvernement dans la gestion des territoires, de Denis Kambay sur la recrudescence de l'insécurité dans le Grand Kassai et de Ilunga Chivuika Ogi sur l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise ainsi que son ingérence dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le débat sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo ayant suscité beaucoup d'autres questions, Daniel Asselo Okito aura du pain sur la planche. Isabelle Kabamba fustige dans la question le non-paiement des administrateurs de territoire. Certains administrateurs de territoire et administrateurs de territoire assistants travaillent dans des conditions difficiles, notamment au manque de moyens de mobilité pour les itinérances, alors qu'ils gèrent au quotidien des entités qui ont des superficies plus grandes que certains pays d'Afrique et d'Europe. Ma préoccupation est de savoir quel est l'état de lien de la gouvernance au niveau des territoires en rapport avec la situation salariale des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants, l'attribution des numéros matriqués, leur mécanisation, les infrastructures de bureaux et logements et le moyen logistique, véhicules ou motos pour bien assurer leur mission. Combien les territoires reçoivent réellement comme dotation de fonctionnement et d'investissement? Est-ce régulier? À quoi sert la rétrocession? Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, ce même mardi, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement répondra aussi à la question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Luessé sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de Goma le principal hub de Rwanda. Et Denis Kambay attend du ministre des Transports des explications sur la problématique du transport aérien dans la province du Kassai. D'ici le 15 juin, le Parlement clôture la session et le Sénat met à profit ces quelques heures pour épuiser son ordre du jour de la session. Ça sera sans doute un bâtiment moderne à la taille des objectifs poursuivis à travers les réformes en cours. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège de la CNSAP dont le Kassai oriental. On en parle avec Nadine Kilocho et Cédric Enina. La province du Kassai oriental va bientôt disposer d'un nouveau bâtiment qui devra servir de siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, dans cette province. Et en marge de sa mission officielle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre à Mbujimayi, chef-lieu de cette province. Après Kinshasa, Lubumbashi, la CNSAP va s'installer dans l'espace Grand Kassai. Et la pose de la première pierre démontre la volonté du gouvernement congolais de garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. Nous sommes ainsi, vous et moi, privilégiés de faire partie des témoins de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Mais ceci n'aurait pu être possible sans l'engagement au profit du social du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En posant cette première pierre, je voudrais rallumer la flamme de l'espérance et dire qu'après tant de souffrances, qu'après tant d'attentes, il est possible de reconstruire un nouveau Kassai oriental. Comment va se présenter le nouveau bâtiment de la CNSAP à Mbujimayi? Le chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a donné les détails. Dialogue social permanent, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a accordé plusieurs audiences aux agents et fonctionnaires de l'État dans le cadre du programme Face à Face avec le VPM. Et les problèmes posés ont été pris à bras le corps par Jean-Pierre Liaou pour des solutions idoines. Des maisons d'essai ont été construites lors d'une formation de mise à niveau d'un mois des ingénieurs maçons et briquetiers, allais-je dire, une formation financée et organisée par la Confédération syndicale du Congo. Anastasie Dumbo.
La remise des brevets aux participants a sanctionné la fin d'une session de formation d'un mois de remise à niveau des ingénieurs, les maçons et les briquetiers sur les nouvelles techniques de construction hydraforme. Des logements sociaux pour la mutuelle des corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo, CVC. Une formation qui s'est clôturée à la grande satisfaction de tous et qui a répondu aux attentes des organisateurs. Il y a eu l'amélioration de la qualité des blocs. Avant que nous puissions présider la cérémonie de clôture, vous avez été témoin du test qui a été fait sur certains blocs. Et ces blocs ont atteint la capacité de 5 à 6 mégapascales, donc une grande résistance. Du côté des maçons, nous nous sommes rendus compte que aussi de ce côté-là, il y a une très forte amélioration. Désormais, on n'utilisera plus les colonnes en béton armé. Cette question est terminée. Un motif de satisfaction également pour les formateurs qui s'est dit avoir atteint l'objectif. Nous sommes à 80% satisfaits parce qu'on a monté une maison sans colonnes, comme nous le stipulons à Hydraform, la maison basse, nous le faisons sans colonnes et nous l'avons monté aussi rapidement. C'est la finition qu'on n'a pas pu achever, mais je pense bien qu'il pourra achever. Donc dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Les représentants des apprenants a, au nom de ses pairs, remercié les organisateurs pour tous les outils et nouvelles techniques mise à leur disposition. Une visite guidée de maisons d'essai construite pendant la formation a été le point de chute de cette cérémonie. À Kinshasa de la 7e réunion de la coopération judiciaire entre les pays de la région des Grands Lacs, travaux organisés pour lutter contre la criminalité transfrontalière et les crimes organisés. Oscar Mbal, reportage. Le terrorisme, l'extrémisme violent, les blanchiments des capitaux, la traite et les trafics d'êtres humains, les trafics de stupéfiants et des armes, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les crimes environnementaux et la cybercriminalité sont autant de mots à classer parmi les crimes internationaux les plus graves. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiessé, à l'ouverture des travaux. Pour Rose Mutombo, la RDC occupe une position géostratégique au cœur de l'Afrique centrale et orientale, ainsi que dans la région des Grands Lacs. Son étendue géographique, ses innombrables ressources naturelles, non seulement du sol et du sous-sol, mais aussi sa faune, sa flore et sa grande forêt, des atouts majeurs de la biodiversité nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique qui font l'objet aujourd'hui de la convoitise des groupes armés organisés. Il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. Plusieurs défis restent à relever quant aux enquêtes et poursuites des criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. Ces assises vont donc déboucher sur la mise sur pied d'un modèle de ligne directrice en matière d'entraide judiciaire entre pays de la région. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une stratégie de promotion, d'exploitation et de la diversification des produits. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. Jour de la 12e réunion de l'OMC, les ministres de pays moins avancés dialoguent sur les nouvelles stratégies d'exportation. C'est depuis le 12 juin 2022 que s'est ouverte la 12e réunion de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Genève en Suisse. En cette deuxième journée de ces assises qui vont prendre 4 jours, Jean-Lucien Boussa a vanté les avancées enregistrées par son pays en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC dispose de stratégies de promotion d'exploitation et de diversification et qui déterminent leurs domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie de promotion d'exploitation et de diversification qui s'appuie justement sur les DIC et qui détermine les domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Et donc, vous avez bien compris que l'RDC demande un financement encore plus important pour lui permettre
de mettre en œuvre sa stratégie nationale d'exportation qui vise les filières porteuses, mais qui vise aussi la diversification de l'économie. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a rappelé les attentes de son pays, la République démocratique du Congo, celle de voir, à l'issue de ses assises, la prise en compte des vrais problèmes soulevés afin de passer des discours à la réalité, et ce, dans l'intérêt des économies et des populations du monde. Et au ministère des Affaires foncières, le ministre Sakombi a procédé à l'ouverture des travaux de l'avant-projet de la nouvelle loi foncière. On en parle une fois de plus avec Jojo Ndibou. Après le premier élément essentiel de la réforme foncière qui est le document de politique foncière, le cap est mis sur la nouvelle loi foncière dont l'avant-projet était au cœur de la 6e session du comité de pilotage. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a ouvert les travaux en présence de toutes les parties prenantes. Ensemble, nous allons dans un moment passer au crible en vue de sa validation, le deuxième livrable et la pièce maîtresse de ce processus de réforme foncière, à savoir l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 733-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés, tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 12 juillet 1980. Des améliorations doivent être apportées à cet avant-projet de loi du point de vue de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba. Sans la terre, on ne peut pas parler d'un État. Il y a beaucoup de problèmes sur les conflits fonciers. Donc nous devons harmoniser entre les droits coutumiers, les droits fonciers, les droits miniers, les codes forestiers, les codes agricoles, tout le reste. Il faut qu'il y ait une harmonisation pour faire bénéficier à notre population des intérêts. Avec ces deux pièces indispensables pour la réforme foncière, le secteur va répondre à l'exigence d'une gestion paisible de la terre, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Joli coup de filet des éléments de la police nationale congolaise, les jeunes délinquants urbains communément appelés Kuluna qui se livrent à des actes d'agression des paisibles citoyens de la commune de Massina viennent d'être condamnés à la peine capitale. C'est le verdict de l'audience publique du tribunal de grande instance de Njili. C'était au terrain municipal de Massina. Nicole Sesseploka, reportage. Arabes, Amériques, Molokai, Japonais et Italiens, voilà, ce sont ces jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui sèment la terreur au quartier Rai dans la commune de Massina. Ils ont plusieurs griefs à leur actif, entre autres les viols sur mineurs, coups et blessures, agressions du commandant de la police vers les points chauds Makaba. Ces Kuluna ont été arrêtés par les éléments de la police nationale et transférés au parquet d'Njili où ils ont été jugés et condamnés par le tribunal des grandes instances d'Njili. C'était en présence du procureur du parquet d'Njili, Jerry Ngienda, et du bourgmestre de la commune de Massina en audience publique au stade municipal de Massina. J'ai décidé que pour les infractions graves, à savoir viol, assassinat, association de empoisonnement, etc., les audiences doivent se faire publiquement pour que les témoins de la commission des infractions soient également les témoins de la répression. Aujourd'hui, vous savez à ce jour que depuis un certain temps, nous sommes en délité contre le phénomène Kuluna. Les jeunes gens se sont investis dans les quartiers 3 et quartiers de la commune de Massina. Et nous nous sommes dit que tant que l'État existe, on ne doit pas baisser les bras. Nous allons compter à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Le tribunal a condamné 5 de ces délinquants à la peine capitale. Un verdict salué par la population de Massina, victime de l'insécurité. UNC,
magazine annuel, c'est le titre du support de communication monté par la Fédération nationale de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, FNJ. Cette œuvre renferme entre autres le bilan des activités de cette structure et le contenu de l'idéologie du parti cher à Vital Kamerhe. Rikin Zouzi, reportage. Fédération nationale des jeunes de l'UNC, Union pour la nation congolaise, se démarque désormais dans les firmaments politiques par une œuvre littéraire de haute portée. UNC Magazine Annuel, lancé et présenté au public par son initiateur Yves Ntsoal, à la tête de cette structure depuis peu. D'un volume de 64 pages, il renferme des informations sur l'idéologie du parti cher à Vital Kamerhe et les activités phares menées par la Fédération nationale de la jeunesse, pilier de l'UNC. Et ce, 12 mois après l'installation de son animateur. Nous sommes là aujourd'hui pour innover, retraçant le bilan de l'an 2021 de notre fédération. Soyez rassurés du leadership bien établi que nous avons courageusement construit en milieu de jeunes congolais de toutes tendances politiques confondues. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale Raston, qui a félicité Yves Ntsoal pour ses prouesses et esprit d'initiative, en a appelé à tous les autres jeunes de suivre ses pas. C'était avec la participation du président des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui a encouragé son collègue de l'UNC et promet de faire de même pour la visibilité du parti présidentiel allié à l'UNC. Et pour terminer, sachez que l'association des femmes chinoises vivant en RDC a remis des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'orphelinat Bon Samaritain. Cédric Kenina, reportage. La Chine et la RDC, deux nations dont les liens de coopération vont au-delà de la norme. Une coopération bilatérale qui va jusqu'au foisonnement des cultures. C'est ainsi que l'association des femmes chinoises a fait les premiers pas et s'illustre dans les œuvres caritatives comme c'est le cas avec cette remise des vivres et non-vivres à l'orphelinat Bon Samaritain. Notre association Femmes Chinoises en RDC avait déjà prendre les activités de visiter les orphelinats ça, depuis 6 ans. Donc pendant ces 6 ans, on a déjà visité presque 60 orphelinats. Et cette activité, on va le continuer. Et on espère vraiment que tous ces enfants vont être bien grandir et bien étudier. Nous aussi, on veut donner notre amour à des enfants orphelinats. Et les amours sont sans frontières. On espère aussi de donner notre amour dans cette sociale. Un geste des cœurs bien accueilli par les bénéficiaires de cet orphelinat dans la commune de Limété, quartier Kingabwa. Près de 60 maisons de retraite, des hommes des vieillards, l'équivalent des EHPAD en France, et orphelinats ont bénéficié de ces mêmes dons des femmes chinoises qui, il faut les souligner, ont fait de la RDC leur deuxième patrie. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, un journal réalisé par Patrick Bapuila et Papi Vouilé avec le soutien technique de Guilhem Koko, Henri Alimassi, Émile Zola, Alain Sodi, sous la coordination de Jacques Abouaba Mkumina Seduga. L'information continue sur nos antennes en français, en swahili, en lingala, en kikongo et en chiluba. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.